Jeudi soir, à la sortie du collège de la Quintigny de Noisy-le-Roi, ses cours de prévention routière. Au programme, distribution de gilets jaunes et rappel des règles élémentaires avant de repartir à la maison. Il commence à faire nuit, les voitures ne se voient pas. L'opération est menée par l'éducation nationale, la gendarmerie et la préfecture après une série d'accidents mortels dans le département. Aux abords du collège, pour l'instant, rien de grave, mais de mauvaises habitudes. Je mets mes écouteurs et je fais pas attention. Il y a plusieurs semaines déjà, la direction de l'établissement nous a avisé que les enfants avaient pour habitude de quitter l'allée du Roi ici, par laquelle ils arrivent soit à pied, soit en vélo, qui est une partie piétonne, et ont tendance à couper complètement l'axe dans le but d'arriver plus rapidement au collège. Ce soir-là, les gendarmes interceptent chaque élève à vélo et trottinette sous le regard amusé des autres élèves. Comme ça, moi, on peut les voir de très loin et comme ça, moi, et les voitures, plus mieux les voir quand il fait nuit. Je pense que c'est bien et que ça nous apprend beaucoup de choses. Ça prouve aussi que les gendarmes, ils apportent une certaine importance aux adolescents et c'est important parce qu'on est la génération à venir. Pendant près d'1h30, les gendarmes assurent la sécurité des élèves, mais certains ont encore bien du mal à retenir les recommandations. Objectif donc, établir une collaboration à plus long terme. Pour nous, faire de la prévention auprès de ce public, c'est investir sur l'avenir, pour qu'ils comprennent que la voie publique, c'est pas un espace de jeu, mais c'est un espace où on peut risquer sa vie. Le but pour moi, c'est d'avoir un rendez-vous avec l'équipe pédagogique, pour voir sur l'année 2017 ce qu'il est possible de faire et de revenir faire des actions de prévention les plus ciblées et les plus efficaces possibles. L'opération a été menée dans l'ensemble du département. L'escadron départemental de sécurité routière est ainsi parti à la rencontre de 4 collèges et 63 petits cyclistes.